Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Gens d'ici. Et s'agissant des gens d'ici, nous recevons aujourd'hui Antoine Chéreau. Antoine Chéreau qui est maire de Montaigu, c'est tout à côté de chez nous et c'est notre secteur télévisuel. Antoine Chéreau qui est aussi président des terres de Montaigu et nous allons parler avec lui d'un nouvel équipement à l'hôpital de Montaigu, puisqu'il s'agit de l'arrivée, ça fait déjà un peu de temps, de ce nouveau scanner à l'hôpital de Montaigu. Bienvenue, bonjour Antoine Chéreau. Oui. Ce scanner a fait parler beaucoup de lui, en bien, par-dessus le marché. Est-ce à dire que maintenant on peut aller aux urgences et qu'on peut aller à l'hôpital de Montaigu? On appelle ça toujours l'hôpital. On appelle ça toujours l'hôpital. Il n'y a pas de raison. D'autant plus que lorsqu'on va à Nantes, par exemple, ou même ailleurs, on attend quelque peu aux urgences. Et nous avons deux derniers exemples où les patients ont attendu 7 heures tout de même dans un couloir, ce qui fait beaucoup de temps. Alors, à Montaigu, on est bien reçu à l'hôpital. Ah ben, à Montaigu, on a toujours été bien reçu. Pour nous, c'est une jolie satisfaction. D'abord parce qu'il n'y avait pas de scanner et maintenant il y en a un. Que naturellement, ça permet d'avoir des rendez-vous programmés, c'est-à-dire en cas d'un besoin d'imagerie sous forme de scanner, pour une raison ou pour une autre, envoyé par un médecin généraliste, c'est donc possible de l'avoir à Montaigu. C'est donc un plus majeur pour la population du secteur qui n'a pas à prendre des rendez-vous parfois très lointains ou se déplacer à Nantes, à l'hôpital ou dans les cliniques, ou à La Roche-sur-Yon, où naturellement les listes d'attente sont très longues. Et puis, vous l'avez dit, mais c'est aussi très important, c'est que ça permet d'asseoir durablement l'activité des urgences. Et les urgences de l'hôpital de Montaigu ont été, comme l'hôpital lui-même d'ailleurs, pendant un temps menacées de disparition. Parce que vous savez, en France, on considère que la sécurité est toujours l'affaire des grands. Oui. Et que plus l'hôpital est grand, plus il est naturellement sécurisé, ce qui est une absurdité. Alors, nous avons, depuis maintenant 13 ans, à Montaigu, décidé de montrer qu'on pouvait être grand et de proximité, en organisant la fusion volontaire des trois hôpitaux de Luçon, de La Roche et de Montaigu, de façon à ce qu'on ait bien la qualité de recrutement d'un grand hôpital. Le CHD de la Vendée est régulièrement en tête des palmarès de tous les classements, de l'Express, du Figaro et de tous grands organismes de presse, et qui nous permet en réalité d'avoir une force de frappe d'un grand hôpital, sauf que c'est organisé différemment, avec des portes d'entrée qui permettent d'avoir des consultations et de pouvoir... C'est le médecin qui vient aux patients plutôt que le contraire. Et naturellement, le plateau technique pour les opérations se font dans des endroits sécurisés, à La Roche-sur-Yon bien évidemment, ou à Nantes le cas échéant. Voilà. Donc pour nous, le fait que le scanner ait été autorisé, il a été autorisé parce qu'il y a des radiologues publics qui peuvent venir. Les radiologues publics sont ceux du CHD. Et parce que aussi nous avons passé une coopération avec les radiologues privés du secteur qui ont aussi une activité libérale dessus. Et donc, ce faisant, cette activité dite programmée permet aux urgences de l'hôpital de Montaigu, qui sont tenues par les mêmes médecins qu'à La Roche ou à Luçon, puissent donner son intérêt. Alors, un petit chiffre amusant, si j'ose dire, mais pour nous intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait 3-4 000 passages maximum aux urgences par an. Depuis cette année, on a dépassé les 11 000. Passage aux urgences. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se blesse plus, mais ça veut dire qu'on est capable de répondre à ces questions-là de façon plus proche. Ça veut dire qu'on va moins peut-être dans les grandes villes comme Nantes. Voilà, où là, les temps d'attente sont très longues. Et donc, pour nous, le scanner était important aussi parce que vous allez aux urgences de Montaigu. Dans quelques jours, on va avoir le Mondial Football de Montaigu. Imaginons un joueur d'une équipe réputée se blessant sur le terrain. Il peut y avoir effectivement une prise en charge d'urgence, ça c'était déjà le cas, mais s'il y avait besoin d'un examen complémentaire de scanner, il fallait prendre une ambulance pour conduire
le patient en urgence dans un autre hôpital, et en particulier La Roche-sur-Yon. Tandis que là, on pourra faire l'imagerie, donc les examens sur place. Oui, alors ce que je voulais vous dire justement, vous demander, poser comme question, les rapports organisationnels avec le CHD, Centre Hospitalier Départemental, donc à La Roche-sur-Yon, et vous-même, et peut-être d'autres petits, ce n'est pas péjoratif, hôpitaux de la taille de celui de Montaigu. Comment ça s'organise tout ça, La Roche, Montaigu, peut-être Luçon, etc. Voilà, alors La Roche, Luçon et Montaigu, c'est le même hôpital. D'accord. Donc c'est pas comment ça s'organise, c'est que c'est le même hôpital. Et donc, il y a un seul directeur général, il y a un président des médecins, il y a une organisation qui fait que il y a des services qui sont globales, voilà, globalement installés sur l'ensemble du territoire. Voilà. Mais dans une logique de porte d'entrée. Voilà. Donc le service oncologie, par exemple, qui traite des cancers et qui les soigne à La Roche-sur-Yon, qui est un service de très grande qualité, maintenant déploie au fur et à mesure des prises en charge de chimiothérapie dans les hôpitaux de proximité. Voilà. Donc on voit bien pour le patient l'intérêt qu'il y a au moment d'une opération, avoir les meilleurs spécialistes et les équipements qui sont très coûteux, avec une présence pour une opération d'anesthésiste, d'infirmier anesthésiste, etc. Et donc dans un environnement très très sécurisé. En revanche, le suivi après, médical, la prise en charge, la prise de chimiothérapie peut très bien se faire indifféremment, mais à proximité de chez soi, à l'hôpital de Montaigu, à l'hôpital de Luçon. Donc ça, c'est le socle de structuration de la couverture de santé en Vendée, et qui, comme depuis 10 ans, les hôpitaux sont financés par l'activité, qui sont vraiment très importants pour permettre en fait d'avoir toute cette filière de soins qui échappe à l'attraction nantaise. Non pas qu'on n'en veuille pas, mais qu'elle finirait par évidemment être contradictoire avec un soin de proximité. Voilà. Donc c'est le socle. Et alors le travail que nous faisons maintenant, dans le cadre de ce qu'on appelle un groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire en fait une intercommunalité des hôpitaux, c'est de travailler maintenant avec les Sables-d'Olonne, avec Chalin, avec Fontenay-le-Comte, pour pouvoir aussi créer des liens, alors qu'ils ne sont pas aussi structurés, parce que ce n'est pas la même maison que le CHD, donc ce n'est pas aussi structuré qu'avec Luçon et avec Montaigu par rapport à La Roche-sur-Yon, mais qui permettent d'avoir finalement une couverture de santé qui soit le plus efficace possible pour les Vendéens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a, malgré tout ça, je vous taquine un peu, qu'il y a des réticences à aller se faire soigner à Montaigu, parce qu'on entend les arguments du type « Ah oui, mais on ne sait pas qui sont les médecins là-dedans, est-ce que ce ne seraient pas des, entre guillemets, petits médecins ou des sous-médecins, vous voyez ce que je veux dire ?» Et comment se fait-il que cette idée soit répandue ? Oui, alors je l'entends évidemment fortement, parce qu'elle correspond à une image, en général en France, des petits hôpitaux. Quand vous entendez ici ou là des maires sortir leur écharpe pour dire ne fermez pas mon hôpital, et puis les agences régionales de santé qui disent mais vous n'y pensez pas, il n'y a pas une activité suffisante pour être là. Voilà. Donc c'est malheureusement l'image de beaucoup d'hôpitaux de proximité, et c'est la raison pour laquelle en 2013, en réalité au moment où les 35 heures sont arrivées dans l'hôpital, donc vous savez que les médecins ne font pas 35 heures, mais il y a quand même une réduction du temps de travail. Et donc, à l'époque, les élus de Montaigu et ceux de Luçon, on s'est dit, il va y avoir une pénurie de médecins. Donc, évidemment, les petits hôpitaux auront du mal à recruter. On aura des difficultés à recruter, et on verra. Et ça commençait à arriver, sans porter le discrédit forcément sur la qualité du recrutement, mais on pouvait se poser des questions sur des recrutements de médecins dit contractuel, c'est-à-dire n'ayant pas le statut de praticien hospitalier, ayant parfois fait leurs études dans d'autres pays que la France, avec des on pense à la Roumanie, on pense à des donc évidemment ça ne favorise pas l'image, voilà. Mais c'est pas du tout le cas de l'hôpital de Montaigu, puisque l'hôpital de Montaigu c'est le même recrutement, c'est les mêmes médecins que ceux de La Roche ou ceux de Luçon. Voilà. Donc les radiologues qui vont travailler, les radiologues publics qui vont travailler au scanner de Montaigu travaillent aussi sur le scanner de La Roche, sur l'IRM de La Roche, sont en lien avec les médecins de médecine nucléaire de La Roche. Voilà. Et donc on est sur du meilleur niveau de qualité de recrutement. Ils sont tous chefs de clinique, par exemple. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que la rumeur a la vie dure, et que beaucoup, je pense, ont eu peur de perdre leur autonomie en acceptant les fusions avec des hôpitaux plus grands. Parfois, c'est des petits hôpitaux en France qui se sont réunis ensemble pour survivre, mais additionner deux petits, ça fait pas un grand. Voilà. Et je pense que l'organisation que nous avons mise en place en 2003, donc c'est déjà pas tout à fait récent, mais ça porte ses fruits,
et une structuration qualitative efficace. Oui. Alors, à l'hôpital de Montaigu, est-ce qu'on soigne tout? Question, je veux dire, est-ce qu'on y soigne aussi des cancers ou seulement des problèmes, j'allais dire, de fractures, choses comme ça, ou d'accidents de la route ou ménagers? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce côté-là une certaine réticence en disant on ne va pas aller à l'hôpital de Montaigu parce qu'ils n'y connaissent rien sur tel ou tel cancer, par exemple? Alors, en fait, comme c'est le même service, oui. C'est le même hôpital, oui. En fait, c'est des portes d'entrée. Donc, les hôpitaux sont des portes d'entrée. Donc, il n'y a pas de différence entre se pointer aux urgences de La Roche-sur-Yon pour une difficulté ou se pointer aux urgences de Montaigu pour la même difficulté. La qualité des médecins est la même. Ce sont les mêmes médecins. Ce sont les mêmes médecins. Ce sont les mêmes médecins. C'est important de souligner ça. Ce sont les mêmes médecins. Voilà. Alors, naturellement, on n'a pas d'unité de surveillance continue en cardiologie sur le site de Montaigu. Naturellement. Mais vous imaginez bien que si vous avez tout d'un coup une difficulté cardiaque, ou une difficulté quelconque pour laquelle vous avez, je sais pas, un essoufflement, ou vous ne savez pas très bien d'où ça vient, il vaut quand même mieux être pris en charge dans les urgences de proximité avec des médecins de qualité qui vont vous dire, alors effectivement, il faut aller en unité de surveillance continue, ou il faut aller, voilà, plutôt que de prendre le temps d'aller à l'hôpital qui est réputé le plus compétent, mais seulement réputé le plus compétent, alors que les mêmes médecins sont à proximité. Voilà. Mais alors évidemment, donc notre objectif, c'est pas qu'il y ait tout partout, ça n'aurait aucun sens, parce qu'on ne serait pas en capacité, même financièrement, même techniquement, d'avoir des blocs opératoires partout, enfin, ça n'a pas de sens. On voit bien d'ailleurs que ce n'est pas la demande des patients. La demande des patients, c'est d'avoir une garantie sur la qualité du diagnostic. Voilà, donc là, les médecins font les examens nécessaires, et comme ce sont les mêmes médecins, il n'y a aucun risque là-dessus. Qui est une qualité de la prise en charge au moment du soin critique. Donc là, effectivement, pour nous, c'est le plateau de La Roche-sur-Yon, mais d'ailleurs, il s'agirait de prise en charge d'urgence pédiatrique, on en verrait naturellement à l'hôpital de Nantes. Enfin, oui, les choses sont, les médecins ont naturellement envie, tous, et ils ont la compétence pour que la prise en charge soit la plus optimale possible. Mais après, quand c'est la convalescence, ou quand c'est du soin continu, on voit bien qu'on a un intérêt dans ces cas-là, à être à proximité de ses proches, et donc plutôt dans l'hôpital de proximité. Donc le service de médecine, par exemple, ou les services de soins de suite qui sont à l'hôpital de Montaigu, permettent d'accueillir des médecins qui auront pu être soignés à La Roche, mais qui vont pouvoir continuer à être soignés, à du coup être suivis en convalescence de proximité. Voilà. On a la même chose sur les femmes enceintes, qui peuvent suivre au centre périnatal de proximité, en amont et en aval de leur grossesse, tous les suivis nécessaires. Évidemment, au moment de l'accouchement, vont accoucher à La Roche-sur-Yon ou à Nantes. Est-ce qu'il y a encore des risques que l'hôpital de Montaigu puisse un jour disparaître sur instance d'autorité sanitaire supérieure ou pas? Ou est-ce que vous avez totalement l'autonomie pour conserver ce genre d'équipement hospitalier? La première des garanties qu'on a, c'est que l'hôpital est à l'équilibre financier, l'hôpital dans son ensemble. Mmh. Et donc, on a pu prouver que le modèle économique portant sur ces deux flotteurs, de Luçon et de Montaigu, était efficace. Voilà. Et donc on a l'autonomie nécessaire pour avoir de l'activité. Le chiffre de 10 000 passages aux urgences, pour nous, est important pour cela, puisque c'est un seuil critique qui nous permet d'avoir les médecins en nombre suffisant aussi sur place au moment des gardes. Voilà. Donc la meilleure garantie qu'on puisse avoir, c'est notre capacité aujourd'hui, dans un contexte économique qui est pourtant très compliqué, en plein travaux, et donc du coup toutes nos chambres sont pas occupées actuellement sur La Roche-sur-Yon, et bien malgré tout on arrive depuis quelques années à garder l'équilibre financier de la maison, et donc et d'ailleurs on y a intérêt, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pour le CHD, vous l'imaginez bien, hein, avoir une porte d'entrée à l'hôpital de Montaigu que de ne pas en avoir, et pour que les patients se répartissent entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Donc c'est vraiment l'intérêt pour les patients de Vendée de pouvoir utiliser cet ensemble du CHD. Oui, précision, j'ajoute qu'au CHD, Centre Hospitalier Départemental de Vendée, vous y avez quelques responsabilités. Oui, oui. Hein, donc ceci est bien utile pour cela. On est donc bien soigné, si j'ai tout compris, à Montaigu. Et si j'ai un accident en sortant d'ici de voiture, je peux aller à Montaigu. Je vous invite à ne pas avoir d'accident. Oui, mais si j'ai le cas échéant, vous seriez si bien. Si par malheur ou par impossible, bon, très bien. Alors on est bien soigné à Montaigu, et puis à Montaigu, on lit beaucoup, et depuis beaucoup d'années, puisque nous sommes là en plein dans la préparation
du célébrissime Printemps du livre de Montaigu. Cette année, tout se présente bien. Bernard Weber, je crois, président de la manifestation. Voilà, Bernard Weber nous a fait l'amitié d'accepter de venir. Je précise simplement qu'on ne lit pas seulement à l'hôpital, mais qu'on lit aussi à l'hôpital, si on voulait faire une transition. Oui. Voilà. Oui, donc, donc c'est un Printemps du livre un petit peu tardif. Vous voulez dire dans la date? Dans la date, oui. Voilà. C'est le printemps. Ce qui ne change rien. Mais on avait l'habitude d'avoir les deux événements à un peu de jour près entre le Mondial Football et puis le Printemps du Livre. Un peu plus tardif, parce que c'est le calendrier et des vacances et des autres salons, et notamment celui de Limoges, oui. Avec lequel nous ne sommes pas en concurrence sur le plan de la population qui vient, évidemment, mais avec lequel nous sommes en concurrence sur les écrivains qui viennent. Alors je dis ça parce que... Vous partagez les auteurs. Alors si c'est le même jour, nous partageons les auteurs. Ouais. Et je le dis parce que la réussite du Printemps du Livre chaque année, et nous espérons que ce sera encore le cas cette année, en tout cas le plateau qui n'est pas encore officiel totalement, n'est pas encore découvert, il sera de très, très grande qualité, c'est d'abord un Printemps du Livre, donc un salon du livre d'écrivains. Voilà. Parce qu'il y a des salons du livre qui ne sont pas des salons d'écrivains. Il y a des salons du livre qui ne sont pas des salons d'écrivains. Et vous m'étonnez. Mais c'était le cas de Montaigu il y a quelques années, par exemple. Ah bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des foires au livre, c'est pas c'est... du tout un discrédit. Voilà. Et à Montaigu, nous n'avons de livres que d'écrivains qui sont présents. D'accord. Voilà. Très bien. Ce qui est une particularité. Ça nous évite d'avoir un écrivain. Un éditeur, un voilà, un libraire, un farfouilleur, etc. Voilà. Donc il y a le monde du livre, évidemment, là. Oui, oui. Et tout le monde y a sa place. Mais notre particularité, c'est les livres qui sont présents sont les livres d'écrivains qui sont présents. Voilà. Et puis nous allons continuer notre petit tour, notre petite investigation concernant Antoine Chéreau. Et vous avez aussi des responsabilités musicales, maintenant. Alors, je sais bien qu'on dit toujours de la musique avant toute chose. C'est pas moi qui l'ai dit le premier. C'est Verlaine, si mes souvenirs sont bons. Et vous voilà donc, président, c'est comme ça qu'on dit, de l'ONPL, initiale pour dire Opéra National. Orchestre National des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire. Voilà, l'ancienne UPPL, voilà. Créée par Marcel Landowski, oui. Qui s'appelait l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, et qui depuis d'ailleurs de nombreuses années maintenant... Le P de OPPL, c'était Philharmonique. Ouais. Et qui maintenant est l'Orchestre National des Pays de la Loire, qui est un label national, il y en a... une petite dizaine, oui. En France. Alors vous avez bien une idée de ce que vous allez nous proposer ou faire au sein de cet orchestre? Oui, alors c'est un orchestre qui a une mission, plusieurs missions. Alors d'abord, c'est un orchestre de très grande qualité. Nous accueillons depuis un an et demi un directeur artistique, c'est comme ça qu'on appelle, oui. Pascal Roffet. Qui a succédé à des grands noms de la musique, Hubert Soudan, Isaac Karabchevski, John Axelrod et bien d'autres avant, et qui ont contribué de faire petit à petit monter en qualité aussi les musiciens eux-mêmes. Mmh. Voilà. Et donc nous sommes partis avec Pascal Roffet depuis un an et demi dans une recherche de couleurs un peu contemporaines aussi, donc l'orchestre est fidèle à la musique classique dite traditionnelle, voilà, oui. du 18e et du 19e, et puis fait aussi de la musique plus contemporaine, classique contemporaine, du 20e, voilà, avec en ce moment une résidence d'un compositeur qui s'appelle Du Sapin, qui est bien connu des musiciens classiques en composition contemporaine, et qui permet aussi d'avoir un rayonnement important sur la scène internationale. Voilà, l'orchestre vient d'enregistrer un disque sur Dutilleux, qui est un angevin et qui est décédé, et qui fait un carton aujourd'hui, notamment en Angleterre. Et voilà, donc... il y a cette double intérêt de faire rayonner les Pays de la Loire. C'est une particularité de cette institution-là, c'est que c'est sans doute un des très rares lieux ou institutions, une des très rares institutions qui porte le nom de Pays de la Loire. Le oui. Pays de la Loire a quand même une difficulté d'identité. Hein. Oui. Voilà. Et donc l'orchestre porte ce nom-là, c'est l'Orchestre des Pays de la Loire, et rend les Pays de la Loire, permet son rayonnement et sa diffusion.
Et puis dans le même temps, il y a un rôle de proximité des territoires et qui fait aussi le lien entre ces différents territoires, départements, villes, qui sont la richesse des Pays de la Loire, et en même temps qui sont parfois avec des liens relativement ténus entre le nord de la Mayenne, évidemment, et le sud de Vendée, c'est un peu des mondes différents. Et donc l'orchestre a aussi ce rôle de faire le lien par ses musiciens. Vous savez qu'il y a deux phalanges, donc c'est un orchestre symphonique qui se coupe en deux, voilà, qui peut jouer à la fois en moitié et à la fois en entier. Une phalange qui est à Angers, l'autre qui est à Nantes, et qui permet la diffusion de musique classique, avec un effort important que je souhaite promouvoir toujours, qui est le lien avec la jeunesse. Oui, j'imagine que vous avez quelques idées de programme à venir. Alors le programme à venir, sinon complet, de moins voilà, le programme à venir sera dévoilé dans un mois. Oui. Voilà, donc il est pas encore complètement on va réglé. Retrouver qui comme ça on va retrouver des grands noms de la musique classique, et puis on va retrouver un peu de Disapin, on va retrouver aussi un peu du Tilleux, on retrouvera aussi du Beethoven, on retrouvera aussi naturellement et voilà, mais je attends quelques jours encore pour dévoiler l'affaire, voilà. Très bien. Et au moins l'endroit, la première représentation. Ah ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Donc l'orchestre joue à Angers et à Nantes, évidemment, ça, souvent. Oui. Mais fait à peu près 150 concerts en région par an. Hein. Donc il se déplace beaucoup. Il était il y a très peu de temps à Montaigu, d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc il a ce rôle aussi de diffusion sur l'ensemble du territoire. Voilà. Bah, tout ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Vous êtes aussi conseiller régional avec la nouvelle mouture des dernières élections régionales. Ouais. Ça se passe bien. C'est au titre du conseil régional que je suis président de l'NPR. Bien sûr. Oui, mais ça se passe bien. Ça se passe très bien. Oui. Ça se passe très bien. Et nous sommes ravis. Alors, c'est tout moi. Passe bien. Oui. Et puis, alors, dernière petite interrogation, parce que il y a des gens là qui nous regardent et parfois qui ne comprennent pas bien, mais ce n'est pas spécifique à Montaigu, qui ne comprennent pas bien les nouvelles organisations territoriales. Et vous êtes président, je viens de le dire, des terres de Montaigu. Alors, il y a les pays, un peu moins, il y a les communautés de communes, et il y a les communes nouvelles qui se préparent. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous expliquer les différences pour les gens qui n'ont pas encore compris ça, ni surtout à quoi ça sert, voilà. Ben c'est sûr. Alors, ça sert surtout... Ça sert surtout à coûter moins cher. Voilà, j'imaginais bien qu'il y avait une histoire de gros sous. En réalité, l'État, au fil du temps, a délégué des charges au maire, en termes de sécurité, en termes de scolarité, en termes de, en termes de vie quotidienne, on va dire. C'était pour les communes, on est bien d'accord. On va dire au maire, pour simplifier. Au maire, très bien. Aux communes, voilà. Et que, au fil du temps, les communes, pour rendre certains services, se sentaient trop seules pour le faire seules. Voilà. C'est une palissade. Oui. Voilà. Dans une piscine, on ne peut pas la faire tout seul. Voilà. On trouve d'autres communes pour construire la piscine. Voilà. Donc il y avait bien la commune, qui répondait en fait à la globalité des besoins. Et puis la communauté, qui permettait à plusieurs communes de se mettre ensemble pour... Bon. Sauf qu'au fil du temps, les compétences... Alors, pas la qualité intellectuelle permettant de mettre en œuvre, mais simplement le droit à faire, ont été de plus en plus nombreuses. Voilà. Donc, je prends un exemple qui est celui de la police. Hein, on voit bien Montaigu, où qu'ils sont, on est à proximité de Nantes, il y a du flux. Les gendarmes ont des métiers qui évoluent parce qu'ils font beaucoup plus de paperasse, de procédures, pour dire les choses avec plus d'élégance, qui est nécessaire pour éviter d'avoir des problématiques après devant le tribunal. Mais il n'empêche que la police de proximité, du coup, elle est plus faite. Et dans des villes plus importantes, il y avait des polices municipales. À Montaigu, il y a un policier municipal. Voilà. Bon. Et donc, la question se pose de pouvoir régler. Donc, on voit bien qu'il y a une responsabilité de plus en plus importante, avec des moyens à mettre en œuvre de plus en plus élevés pour pouvoir répondre aux enjeux de territoire, et notamment chez nous, mi-ruraux, mi-urbains. Quoi. Voilà, un peu des deux. Quoi. Voilà, proximité d'une grande ville, développement économique, et puis monde rural, qui le vignoble, qui l'élevage, voilà, etc. Bon. Et dans le même temps, l'État baisse ses aides, ses dotations. Et donc, il y a un moment donné où c'est bien à l'échelle locale qu'il faut trouver les échelles critiques. Voilà. Donc la première échelle critique est celle de l'intercommunalité. Donc l'État vient de dire qu'il ne pouvait pas y avoir de communauté de communes de moins de 15 000 habitants.
Donc toutes les communautés qui font moins de 15 000 habitants doivent se marier avec une communauté. Donc c'est ainsi que Montaigu va se marier avec Roche-Cervière, voilà. Et que nous aurons une nouvelle communauté de 50 000 habitants, ou quasiment 50 000 habitants, au 1er janvier 2017. C'est la loi qui nous le dit. Voilà. Mais à l'intérieur de ça, à l'intérieur de cet ensemble intercommunal, certaines communes peuvent estimer se trouver soit trop petites, soit en incapacité, pour des seuils critiques, de répondre à des problématiques de population. Alors c'est le cas de toutes petites communes. Oui. Qui se regroupent. On a beaucoup ça dans les Mauges, mais on a un peu partout. Ça, c'est la commune nouvelle. C'est en réalité la fusion de communes. Hein. Voilà. Qui prendra un autre nom qui... Alors que c'est une nouvelle commune qui est créée. Voilà. Un exemple, Montrévert, dans la communauté de communes actuelle de Roche-Cervière, comprend les communes de Saint-Sulpice, Le Verdon, de Saint-André, et puis de Mormaison, et ça donne une nouvelle commune de Montrévert, chacune des trois anciennes communes devenant des mairies déléguées. Voilà. Et comment est-ce que les citoyens et citoyennes prennent ces dispositions nouvelles ? Je pense que ça n'enlève pas l'identité du bourg, et de son nom. Voilà, on connaît bien, surtout dans l'ouest de la France, ça va devenir des communes... quartiers, en quelque oui, sorte. Oui, c'est ça, des communes fusionnées. Vous allez à Nantes, Chantenay reste Chantenay. Vous allez à Pornic, Sainte-Marie reste Sainte-Marie. Vous allez aux Herbiers, Ardelais reste Ardelais. Voilà. Hein, donc, il ne faut pas confondre la gestion administrative mutualisée avec l'identité de proximité. Et la tradition. Voilà. Et dans cette affaire de mutualisation, Montaigu aura évidemment toute sa place, j'imagine. Oui, alors Montaigu réfléchit à une commune nouvelle avec ses quatre voisins. Sera-ce elle la capitale ? Et en a-t-il besoin, donc capitale ? Non, bien. Non. Dire... Voilà. En tout cas, Montaigu, enfin la communauté aujourd'hui a bien l'intention que Montaigu, l'ensemble du pays, joue son rôle moteur de développement économique, notamment. Merci Antoine Géraud de nous avoir donné toutes ces précisions. On se retrouve au printemps du livre. On se retrouve au printemps du livre. On rappelle peut-être la date, rapidement, ça s'ouvre au mois d'avril. Au mois d'avril. Voilà. Je crois que c'est le 12 ou 13. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, au printemps du livre, bah, vous venez nombreux parce que c'est une belle manifestation. Et le livre, c'est toujours très intéressant, n'est-ce pas ? Tout à fait, moi, tout à fait. Merci Antoine Géraud et merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. À bientôt.